nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Dans le Coran, Dieu a les attributs les plus parfaits. C'est-à-dire qu'il n'a pas de besoin, il se suffit à lui-même. Il ne ressemble pas à ses créatures. Tandis que dans la Bible, nous voyons beaucoup de passages qui attribuent à Dieu les attributs des créatures et des attributs qui touchent à son être immuable. Comme par exemple, nous disons dans la Genèse au chapitre 6, au verset 6, que l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur affligé. Vous savez que le regret, le repentir implique toujours une imperfection. C'est l'homme qui se repent, qui regrette ses fautes et qui demande pardon à Dieu. Par contre, dans le Coran, Dieu dit ceci, « Rappelle aux hommes, lorsque Dieu dit aux anges, « Je vais instituer un successeur sur terre, et ceux-ci, de répartir, y placeras-tu quelqu'un qui sèmera le désordre et y versera le sang alors que nous célébrons tes louanges et ta sainteté ?» En vérité, Dieu dit, je sais ce que vous ne savez pas. C'est la sourate numéro 2, la Genèse au verset 30. Dieu, dans la Bible aussi, dans la Genèse, au chapitre 3, au verset 9, demande à Adam où il se trouve. Adam avait commis une faute et il se cache et Dieu lui dit, où es-tu, Adam ? Alors que Dieu savait très bien où il était, puisque Dieu embrasse toutes choses en sa science. Nous lisons aussi dans les psaumes, au chapitre 78, au verset 65, « Alors le Seigneur se réveilla comme un homme qui vient de dormir, comme un guerrier exalté par le vin. » Nous lisons aussi dans la Genèse au chapitre 11 au verset 5, je cite, « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâtie les fils des hommes. » Par contre, le Coran nous rappelle la véritable nature de Dieu. Je cite, « Dieu, il n'y a point de Dieu hormis lui, le vivant, le subsistant. Il n'est sujet ni à la somnolence, ni au sommeil. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui est devant et derrière eux, alors que les hommes n'embrassent de sa science que ce qu'il veut. Son piédestal s'étend sur les cieux et sur la terre, dont la conservation ne lui est d'aucun poids. Il est le Très-Haut, l'infini. » Fin de citation, sourate numéro 2, la Genèse au verset 255. Allahu Akbar, Allahu Akbar.